Salut, salut! C'est Virginie, on se retrouve aujourd'hui pour ce let's play numéro 5 de Infamous. Alors, vous avez vu que le précédent était très 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 long, il faisait plus d'une heure, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'était super important. Et là, on va essayer de faire un petit truc pas trop long. Donc, je vous cache pas que j'ai avancé un petit peu sans vous. Notamment pour des petites missions secondaires. Je ferai un let's play un petit peu plus tard avec que des missions secondaires. Tout ce que je fais en fait un petit peu hors caméra pour que vous voyez quand même ce que je fais. Et puis là on va aller donc faire une des missions principales. Et du coup c'est parti. Allez. Allez, Laser Girl. J'ai du monde à voir. Et des pouvoirs à voler. Ok, sois pas fâché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer sans moi. Oh, affronter le danger tout seul? T'es doué en bonne nouvelle. J'ai appris qu'une grosse cargaison de drogue est arrivée il y a 2 jours et tout est stocké dans des maisons flottantes à la marina. Dans des maisons à la marina? C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est une grosse cargaison. Il faudra fouiller toutes les maisons flottantes. Et ce groupe utilise un dauphin comme signe de ralliement. Alors tu chercheras tous les dauphins sur les maisons. Encore mieux. Mais m'attends pas. On sait jamais quand ils décident de décharger ces trucs. Pourquoi t'es à la bourre? Des trucs de filles. Ah, quel genre de trucs de filles? Défoncer méchamment sa gueule à une sous-merde de dealer pour qu'il balance ses potes, plus les détails sur sa putain de cargaison. Ok, c'est parti. Donc on va aller fouiller les maisons. Vous voyez, on a notre objectif sur la carte en bas. Donc en votre absence, j'ai amélioré mon pouvoir néon en attrapant des drones traceurs. Donc vous vous souvenez là quand on fait ça, voilà, et puis que voilà, du coup j'ai amélioré mon pouvoir néon, le drainage, voilà, les différents rayons, etc. Donc on va aller fouiller les maisons et Fetch, je suis sur les quais. Et moi sur le toit. Quoi, tu pouvais pas attendre un peu? Voilà pourquoi je bosse pas avec des meufs. Donc voilà, ma carte est mise à jour et comme vous pouvez le constater, j'ai plein de petits pictos rouges. Et les petits pictos rouges, ça sent mauvais parce que c'est les méchants. Et voilà! Ils sont déjà en train de me tirer dessus. Donc. Faut que je les attrape, les zouzous là. Et que je fouille leur maison. Je vais avoir un peu de mal à causer en même temps. Je me connais. Il faut que je me concentre. Oh là là, quelle misère. On m'attaque de tous les côtés. Oh là 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 là, je prends cher. Ah, je suis mort. Comme ça, c'est réglé. Bon, il va falloir que je recommence, mais que je sois un petit peu plus discrète, parce que du coup, je suis arrivée en mode Salut les gars! Donc, ça pour le faire. Et je vais essayer d'avoir les deux. Oh là 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 là, c'est pas possible, ils sont sur qui libre. T'es mort, toi. Attends, je me cache 2 secondes. Enfin, si j'y arrive. Oh là là. Je vais encore me faire tuer. Ouais, je suis mort encore. Punaise. Tu te protèges pas, ça, tu vas pas. Bah ouais, faut que je me protège, mais c'est un peu coton parce que à peine j'arrive, les bugus ils me voient. Alors, il va falloir que je me mette en hauteur parce que sinon c'est. Enfin, je pense que c'est la seule solution pour moi. Quoi. Ouais, je sais, mais il y en a plein. Ah là là, punaise. Ça m'énerve. Faut d'abord que tu traques les snipers. Et... Bah oui, bah fais-le. Bah c'est pas mon jeu, hein. Bah ouais, mais c'est vachement dur. D'abord lui. Voilà, là, il peut pas.
Puis on est dans le noir, alors on voit que dalle. Évidemment, si on ne sait pas aller. Comment ça, allumer la lumière? Il va allumer la lumière dans le noir. T'es une rigolote. Là, bah oui, il y a un cum là. C'est trop loin pour en être sûr, mais je crois avoir repéré 2-3 maisons avec des dauphins. Oui, bah tu vas attendre 2 secondes, ma jolie là, parce que tu sais pas si t'as vu, mais. Elle est marrante, elle est marrante, ça c'est bien les gonzesses, hein. Ça donne des ordres, mais ça fait pas grand chose. Un peu comme toi. Oh, ça va. Un peu comme moi, mais pas du tout. Allez. Ouais, il y a encore un sniper là-bas. Je vais l'attraper. Oh. Oh là là, mais il est où là, ce chameau des bois? Mon kiki, là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais en tout cas, moi je vois pas grand chose. Qu'est-ce qui se passe? T'as du mal à trouver des maisons flottantes dans la marina? C'est qui? Ouais, je sais. Fais gaffe, sniper. Bah ouais, je sais, sniper. Il y a ceux-là. Oh là là. Bien joué. Chercher les autres gugus là-bas. Oh! Bah ils sont hyper nombreux parce que c'est des trafiquants de drogue, des trafiquants de drogue, ouais madame, tout à fait, de trafiquants de grog, et du coup, eh bah ils protègent leur cargaison. C'est mal la drogue. C'est très mal. Regarde, je vais t'avoir, je t'ai eu. Toi aussi. Il l'a tué. Oui, je sais, c'est pas bien. En plus, j'ai le balayage radiant. Bon, tant pis. Oh, mais c'est pas vrai qu'il y en a encore qui me tire dessus. Mais viens. Mais où t'es? Mais où tu es? Ah, pulvérisé. Bah, tant pis. Bon. Je crois que c'est bon, cette fois. J'ai eu tout le monde. Et donc là, vous voyez, j'ai les cargaisons. Donc les cargaisons vont ressembler à ça. C'est une espèce de boîte rouge avec le dessus blanc. Il y a un dauphin dessus et il me suffit juste de caresser le pad. Ouais, bingo! Hey Fetch, je vais taguer tous ceux où il y a de la drogue. Comme ça, tu repéreras facilement lesquels explosés. C'est pas vrai, tu veux pas essayer de rien taguer pendant 5 minutes? Bon. Pas drôle, toi. Tu veux que je tague où? Je tag par là. Allez, marquer la maison. Donc là, il le fait tout seul, hein, c'est pas moi qui le fais. Hey, je t'ai encore facilité la tâche.
Voilà, on va aller voir les autres. Oh, mais c'est pas vrai qu'il y en a encore là-bas. Mais qui est-il, ceux-là? Oh. Allez. Fetch? Je t'ai dit, je cours tes arrières comme si ton petit... Ouais, merci, j'ai saisi. Non mais... Alors... C'est laquelle, cette maison là? Ah, c'est pas étonnant que ça prenne si longtemps, Fetch. T'as dit dauphin, mais c'est clairement des marsouins, hein. L'erreur classique. Voilà pourquoi je bosse pas avec des chieurs. Oh là là, la drogue. Oh. Mais pas bien. C'est pas bien la drogue. Attends, j'ai entendu un truc. Il y a des gens à l'intérieur. Attends, il faut que j'ouvre la porte. Non. Maintenant, je peux marquer la maison. Fetch, tu m'avais pas dit qu'il y avait de la meuf à cette soirée. À ce qui paraît, les dealers doivent utiliser les filles comme boucliers humains. À ce qui paraît. Normalement, c'est une grosse cargaison. Il y a au moins une autre maison super chargée. Une autre maison super chargée. Bah t'inquiète, ma jolie, on va y aller. On va y aller. En volant, tiens. C'est la plus grosse. Ça doit être celle-là. Gagné. Oh, c'est quoi cette drogue? Je me dis ça. Mesdames, y a-t-il des femmes de petite vertu retenues en otage sur cette maison contre leur gré? Il est bête. Voilà. Comme ça fait, je peux s'amuser à détruire la maison. Je crois qu'on a énervé un nid de frelons dans l'entrepôt. J'arrive. Vaincre les derniers dealers. Alors... Mais où tu es? Ah bah 20 jours, regardez ce qui m'attend là-bas. Allez, les petites boules là. Bon alors attends. Nom de Dieu. Ils sont combien dans ce bazar? Allez, balayage radiant. Et heureusement. Putain, normalement, je devrais pouvoir les avoir. Donc le balayage radiant, en fait, je le débloque quand je fais plusieurs actions bénéfiques, c'est-à-dire que je maîtrise les ennemis au lieu de les pulvériser. Bon, je te fais ce château. Donc ça veut dire que ma jauge à gauche elle se remplit et ça me permet de pouvoir utiliser cette action là. Et c'est bien pratique quand vous voyez on a quand même pas mal d'adversaires. Et du coup ça les met, ça les prend tous et ça les maîtrise. Voilà, ils sont pas tués, ils sont tous voilà, ils sont tous maîtrisés. Et moi comme ça j'ai pas à m'enquiquiner. Allez, on va retrouver Fetch sur le toit de la maison. On suit notre petit picto. On va essayer de pas trop se faire griller parce qu'il y a un véhicule du DUP qui est pas très loin. Sans déconner. On va passer par le côté. Donc en fait, quand je vous parle de tout ça, c'est que je suis énormément la carte qui est en bas. C'est-à-dire que des fois, je regarde pas forcément l'écran. Je suis en train de dézinguer les maisons. Je suis vraiment beaucoup ce qu'il y a sur la carte.
Eh ben, dis donc. Ok. Et voilà, ça fait 3 maisons tueurs de dauphins au moins. 3 maisons de méchants marsouins. N'aie pas honte, tout le monde se trompe. Debout, Delphine, il y a du mouvement. Ah. Bouge sans doute le stock vers leur plan principal. On devrait les suivre. Il y a ce camion là. Il va falloir que je le suive, mais sans le faire gauler quoi. On va rester sur les toits pour pas leur faire peur. Il faudra juste garder un œil sur eux. Hey Fetch, je peux te poser une question sur le centre de détention du DUP ? Curden Kay ? Ouais, c'est ça. Non. Tu veux savoir quoi ? On était au moins 400, peut-être 500. Certains étaient en isolement pour un entraînement spécial. Mais dépêche-moi! Ça va durer 7 ans. Ouais. Ouais. Je me fais canarder par le DUP. Mais c'était chez moi. En fait, je voulais juste savoir s'il y avait une piscine. T'es trop con, tu le sais ça? Ouais, on me l'a déjà dit. Je vois rien, en plus, fait nuit, ça m'énerve. Ils viennent de s'arrêter. C'est certainement là. Ok. C'est quoi le plan ? Les choper. Les choper, c'est pas un plan. Formidable. Vaincre les derniers dealers. Alors, on va faire comment ? On va lancer une petite boule. Il y a du monde là. Ah, bah elle a déjà attaqué. Ok. Allez! Quoi? T'essayes de faire le malin avec moi? Moi j'ai une super épée laser, mon gars! Qu'est-ce que tu crois que tu vas me faire? Oh! Il est où l'autre? C'est que des bois là, tiens! Voilà! Voilà! Comment je traite les gars dans ton genre? Les dealers des drogues! Tiens dans le camion! Non mais... Voilà, madame. Allez, on se bouge. Oui, les méchants sont partis. Partez, vivez, faites l'amour. Mais gratuitement. Si vous voulez décrocher, c'est le moment. Il y aura bientôt plus de dope dans cette ville. Foirez pas votre coup. Et ils sont partis. Dis, tu crois qu'un jour, on remerciera des crapules bioterroristes pour avoir sauvé des gens? Ouais. Je crois bien que tu m'as sauvé, moi. Oh, c'est trop mignon. Oh. Alors du coup, tu vas en finir avec tes meurtres obsessionnels de dealer ? Dommage, c'est la moitié de ton charme. Ah ouais ? C'est quoi l'autre moitié ? En fait, c'est tout. C'est juste ça, ton charme. T'inquiète, je vais pas abandonner mes passions, je vais juste en trouver d'autres. Hein ? Comme la boxe. C'est moi ou tu jouais la carte de la tendresse, là ? Ah ! T'es une psychopathe sentimentale, à vous. Allez, il faut qu'on se débarrasse de toute cette gamme dans le port. Les poissons en profiteront, au moins. Ouais, tous les dauphins ! Hé ! Je te plais, en fait. Oh bah, dis donc. Pauvres poissons, si ils ont toute la drogue dans le port. Donc, mission accomplie, c'était la fameuse mission traitement des ordures. J'aime bien le traitement des ordures. Pour les dire. Je me levais. T'étais pas là ? Ouais, j'avais un rencard avec l'autre femme de ma vie. Augustine. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Un pouvoir béton ? Oh, les mecs. Y'en a pas un pour attraper l'autre. Je crois que ton frère aurait été très fier de ce que tu viens de faire. Tu veux dire tuer des dealers, détruire la drogue et libérer des esclaves sexuels ? Bien sûr ! Mais je suis sûr aussi que je lui aurais plu. Ouais. Il avait vu exploser des maisons flottantes avec de la drogue et des dealers, il aurait été très fier. On a bien bossé.
Y a pas moyen que ces enfoirés de menteurs de la télé retournent ça contre nous. Il y en a encore là, des dealers. Hop là. On va les choper. Il y en a plein là. On m'a dit que le DUP avait doublé la dose dans Lanterne District. Ils doivent espérer y trouver un porteur en planque. Ok, alors c'est là que je vais aller. Il y a un pont pas loin qui t'y mènera tout droit. Génial. On passe en mode conférence. Salut, Fetch. Salut, Abigail. Tu pourrais lui dire aussi que ce pont a été démoli comme le 520 par le DUP. Eh, hey, sans pouvoir. Ils ont pas encore taillé la pierre du pont que les porteurs peuvent pas traverser, pas vrai? Ça vaut le coup de le tenter, Red. France, on dirait que t'es en sécurité entre des mains expertes et dignes de confiance. T'auras qu'à me rappeler si tu y arrives. Comment tu fais pour supporter? Tu fais les factures, je pars vers le pont. Oh, hop, donc c'est fait, je fais un peu le mé... Je vais y arriver. Le ménage... Vas-y. Je l'ai assommé. Bon bah tant pis. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire une autre mission? Je mêle ma pendule. Est-ce que j'ai le temps de faire une autre petite mission? J'ai encore 10 minutes. Bon, il faut pas que je meure de trop alors. Parce que là, je vais aller m'attaquer à autre chose. Mais en tout, il y a du monde là-dedans. Bon allez, comme ça ce sera réglé, balayage radiant, allez hop. J'aime pas mon kikiné là, c'est Gugus du DUP. J'aime bien ce truc, en plus c'est super joliment fait. Tu trouves pas que c'est beau? Moi je trouve que c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est vraiment beau. Je vais chercher le fragment qu'il y a. Oh, c'est beau. Si, moi je dis c'est beau. Pourquoi j'ai un truc du DUP alors que je vois... Ah oui. Mais je l'ai éclaté le machin. Alors... Continuons de ce côté... Quoi? Il ose m'attaquer alors qu'il en est. Je dis ça, mais c'est pareil. Hein? On en a perdu un autre. Perdu un quoi? C'est bon, je les ai eus. Voilà. Alors, amélioration disponible. On va aller voir ce qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on peut prendre ça? Stase améliorée. Formidable. Donc la stase. Donc la bulle de stase, c'est l'espèce de, voilà, de bulle dont ils sont un peu suspendus.
Et donc là, je vais pouvoir maîtriser juste avec un seul rayon après ceux qui sont à l'intérieur. Parce que ils sont dans cette bulle, ok, mais ils sont pas maîtrisés pour autant. Il faut quand même que je leur lance un rayon. Donc. Quoi? Mais c'est pas possible, ces mecs! Ils m'adorent! Ils sont fous de moi! Non mais je te jure. Ah, en plus vos véhicules ils sont moches. On va aller se rendre sur le point de la mission. Et puis on la fera une prochaine fois. Ouais, il reste encore 5 minutes. Ouais, mais on va s'arrêter là. Comme ça, on va aller. Est-ce que je peux monter sur le pont? Ouais, magnifique. Oh, allez. On va la faire parce que je sais que c'est... Je sais que ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont là régulièrement avec nous. Oh, très mauvaise idée. Ça, c'est carrément le pied! Des tourelles automatiques? C'est vraiment de la triche! Allez. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans le Let's Play numéro 6, on va voir comment on va aller de l'autre côté. Et puis, je vous dis à très bientôt, les copains. Je vous remercie d'être là et d'être fidèles pour ce Let's Play d'Infamous. Je vous embrasse, les copains. Bisous, bisous!